Tender to my fading habitat, ribcage guillotine, flicker you the hidden. Publishing présente Des images qui bougent, un podcast de Seb Joncourt. Salut à toutes, bienvenue. Je suis Seb Joncourt et aujourd'hui, je vous présente mon premier épisode de mon nouveau podcast où on va parler des images qui bougent, du cinéma dans un premier temps et aussi de séries bientôt. Aujourd'hui, je vous propose une balade dans nos souvenirs de cinéma de 2024. Je vous propose. De vous parler des 11 films que j'ai préférés cette année. Je ne prétendrai pas que ce sont les 11 seuls films <laughs> sortis cette année. C'est les 11 films que j'ai préférés et que j'ai vus surtout puisque je ne vois pas tout ce qui existe et tout ce qui sort. Euh, et je vous propose de vous partager euh, ces, ces 11 films en partant du 11e jusqu'au 1 Vous connaissez cette technique euh, un peu, un peu maligne. Euh, pour garder le suspense jusqu'à la fin. Euh, et pourquoi je vais vous parler de cinéma Bon, vous le savez peut-être pour certains d'entre vous, euh, je, je réalise des podcasts euh, immersifs qui racontent des histoires. Évidemment, euh, j'ai commencé par écouter, lire euh, des milliers d'histoires euh, pour me nourrir avant de commencer à raconter mes propres histoires. Et du coup, euh, je pense que ça peut être cool qu'on partage, que je vous partage. Euh, mes coups de cœur, euh, ce que ce qui me ce qui me fait kiffer, euh, ce qui illumine ma vie euh, très souvent. Euh, à une époque, euh, j'allais très souvent au cinéma avec des amis. Euh, depuis le Covid, évidemment, les choses ont beaucoup évolué et j'ai maintenant une pratique du cinéma qui est plus solitaire qu'elle ne l'était avant. Et euh, c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de parler cinéma avec vous. Euh, bah on se connaît peut-être pas encore, mais on se connaîtra bientôt. Euh, et de partager euh, ce, cette immense joie qui est de découvrir des nouvelles histoires. Alors, commençons ce premier épisode des images qui bougent avec notre onzième entrée euh, dans cette liste de, des meilleurs films de 2024. Euh, alors, oui, un détail. Euh, Est-ce que vous connaissez IMDB, IMDB? Euh, The Internet Movie Database, euh, qui est un site web qui existe depuis très longtemps, qui est euh, maintenant plutôt joli, mais qui euh, il y a 20 ans était plutôt très moche, c'était juste une base de données. Euh, moi, ça fait depuis très longtemps, je saurais pas dire exactement combien, mais j'irais bien 18-20 ans que je note les films que j'aime euh, sur IMDb, ce qui fait que j'ai un historique de beaucoup des films que j'ai vus ces 20 dernières années. Euh, et l'expérience que je vous propose avec euh, Des images qui bougent, c'est dans ce premier épisode, qui va me servir de pilote, de vous parler des 11 films qui m'ont plus plu cette année, euh, mais dans les épisodes suivants, de vous présenter les 33 films de science-fiction que j'aime le plus au monde, et ensuite de vous présenter les 200 meilleurs films de l'histoire du cinéma de mon, de, de, de mon point de vue. Et euh, si, euh, si euh, ça marche et si on se plaît encore ensemble à ce moment-là, euh, je ferai le même exercice, certainement avec les séries, puisque j'ai vu aussi beaucoup de séries. Euh, et du coup, voilà le programme que je vous propose pour ce nouveau podcast, euh, qui aura une particularité, c'est que ce sera la première fois que je ferai un podcast à la fois en vidéo et en audio. Euh, euh, évidemment, tout ça, c'est de, de visuel. Mais euh, euh, le, le podcast va être distribué à la fois sur youtube en vidéo et sur Spotify en vidéo euh, bon ben voilà c'est une nouvelle tendance du podcast et j'ai décidé de me de me prêter à l'exercice euh, j'ai toujours aimé faire de la vidéo j'aime faire du podcast donc du coup je vais essayer de faire les deux en même temps et de façon un peu maline de façon à ne pas y passer euh, des mes nuits euh, à monter euh, donc euh, on attaque Onzième place, onzième position, un film que j'ai beaucoup aimé, euh, qui est une, une excellente surprise, qui s'appelle Une équipe de rêve, en tout cas ça c'est le titre français, le titre original en langue anglaise est New Goal Wins. Et c'est un film de Taika Waititi, vous connaissez ce réalisateur néo-zélandais rigolo à qui on doit Jojo Rabbit en particulier et pas mal de films des de, du MCU Marvel. Il a fait plusieurs torts si si je n'ai pas tort. <laughs> et Taiki Waititi, c'est un gars très malin qui raconte des bonnes histoires, qui a un chouette sens de l'humour et qui s'est euh, comment dire pris pour cette histoire. Euh, qui a été écrit euh, par lui et euh, un co-auteur qui s'appelle euh, Yann Morris, et qui raconte, je vais vous lire le, le, le prémice de IMDB, l'histoire de la terrible équipe de football des Samoa américaines, connue pour un match brutal de la FIFA en 2001, qu'elle a perdu 31 à 0. Donc ça, c'est euh, du coup le premier film dans cette liste, c'est un film de sport. Enfin, J'aime bien les films de sport, souvent. C'est des histoires, des récits de rédemption. J'aime beaucoup les histoires de rédemption. Et du coup, mais de qui ça va être la rédemption Eh bien, ça va être la rédemption de Michael Fassbender, l'acteur qu'on ne présente plus, euh, qu'on aime tant depuis si longtemps, qui euh, qui va jouer euh, un entraîneur de football de la FIFA complètement à la ramasse, alcoolo, paresseux, dépressif, complètement déboussolé à qui euh, ses proches, qui tiennent à lui, lui euh, proposent une dernière chance, euh, ils lui en ont déjà proposé plusieurs d'ailleurs, euh, lui propose une nouvelle chance, et peut-être pas même une dernière, parce que c'est ses potes et qu'il l'aime, euh, et qui lui propose du coup d'aller entraîner cette équipe à l'autre bout du monde, sur une petite île euh, très différente de, de, de ses États-Unis euh, d'origine. Euh, et euh, évidemment, on lui présente les choses parce que cette équipe a besoin d'être sauvée. Vous vous en doutez bien, c'est pas l'équipe qui va être sauvée, c'est plutôt lui qui va être sauvé par l'équipe. C'est un chouette film. Euh, typiquement, le film parfait à regarder en équipe. Euh, je sais pas, il y a papy, et mamie qui sont à la maison, il y a les, les petits enfants qui sont là. Il y a de quoi passer un moment sympa et euh, c'est malin. Euh, ça fait même euh, passer des trucs assez positifs sur euh, les, la différence et l'acceptation. Du coup, euh, un film que j'ai vraiment apprécié et qui est une surprise hein, parce que, euh, évidemment, il n'a pas été particulièrement mis en, en avant dans les médias. Euh, je suis tombé dessus, je crois, euh, en VOD euh, sur une plateforme. Nous arrivons maintenant. Au dixième film, euh, *Trap*, euh, *Trap* de M. Night Shyamalan, euh, un film qui lui a fait parler de lui euh, et euh, plutôt en mal et que moi j'ai vraiment bien aimé. Euh, et je vais vous en parler un petit peu. Alors *Trap*, c'est quoi l'idée, euh, l'histoire de *Trap* euh, Pareil, je vous lis le, le texte de IMDB. Un père et sa fille adolescente assistent à un concert pop où ils réalisent qu'ils sont au centre d'un événement sombre et sinistre. Alors, je vais en dire un peu plus parce que c'est clairement montré dans le trailer du film. Il s'avère il que ce papa qui va à un concert, un peu comme s'il allait voir un concert de Taylor Swift avec son adolescente de fille, ce papa, c'est un méchant serial killer et que le concert a été fait pour l'attirer et, et l'attraper. Euh, bon, ben, vous connaissez le cinéma de ebnat chamalan C'est, il aime les retournements, les surprises. Euh, et je dois dire que moi, j'ai bien marché dans le film. Euh, j'ai apprécié clairement. Euh, j'ai apprécié ce, cette histoire. Évidemment, euh, il faut. Vous connaissez cette notion de suspension of disbelief, euh, qui est le fait de décider de croire à une histoire. Il s'avère que moi, j'ai décidé d'y croire et du coup, j'ai pu être entraîné dans tout, euh, tout ce qui se passe dans le film. Si on y va avec un peu les pieds froids et que on décide de pas euh, accrocher au début, évidemment, on va passer un mauvais moment parce que tout aura l'air à bracalabra. Donc du coup, euh, c'est la dixième, la dixième place, Strap, pas le meilleur film de l'année, mais un film plutôt pas mal. Et surtout, euh, moi qui m'a révélé euh, l'acteur principal, là qui s'appelle Josh Arnett, euh, qui donne une interprétation extrêmement crédible et troublante de ce sale type qui est un gentil papa euh, et euh, du coup ça crée un personnage complexe et c'est toujours intéressant les méchants complexes donc du coup c'était trap de M. Natchamalan en dixième position et maintenant on passe à un film euh, au film numéro 9 euh, euh, que j'ai vu. Euh, vraiment, euh, à reculons, euh, que je ne voulais pas voir. Pour moi, cette licence, elle est morte depuis longtemps. Euh, et euh, en gros, elle est morte depuis euh, Prometheus. Du coup, vous vous doutez que je vous parle de la licence Alien. Et là, je vous parle plus, plus spécifiquement euh, de Alien Romulus. Donc, le nouveau, nouvel opus de cette longue licence euh, Alien. Euh, créé par Ridley Scott euh, il y a 250 ans. Euh, euh, moi, au moment de Prometheus, j'ai dit « Non, euh, Fontaine, je ne boirai plus jamais de ton eau. » C'était vraiment trop nul. J'étais même choqué par la nullité de Prometheus. J'ai arrêté de regarder les films. Mais euh, beaucoup de gens euh, en qui j'ai grande confiance ont vu euh, Alien Romulus et m'ont dit du bien. Et du coup, il euh, y a que les imbéciles qui changent pas la vie. Je suis allé voir Alien Romulus en pensant que, bon, dans le pire des cas, j'aurais perdu deux heures de, 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 de confort de chez moi. Euh, vous ne le savez peut-être pas, mais le cinéma le plus proche de chez moi est à 150 mètres, 157 exactement, et c'est une des meilleures salles de Paris, euh, c'est une salle Dolby Cinéma, pour ceux qui savent ce que c'est, une salle Dolby Cinéma, je ne parle pas de Dolby Atmos, hein, Dolby Cinéma. Euh, c'est une super salle, très confortable, du coup, c'est quand même agréable d'aller voir des films. Euh, et euh, en fait, euh, j'ai trouvé Alien Romulus très très bien, très chouette. En particulier le premier acte, euh, qui est extrêmement bien réussi. Le world building est exactement ce que j'aime en science-fiction. Euh, on y croit. Euh, ce, ce, cet univers, il est très ancré dans le réel, euh, très crédible, euh, très humain, euh, très intéressant. Euh, d'ailleurs, euh, s'il proposait de faire une série qui se passe euh, à l'endroit où démarre euh, Alien Robulus, je serais partant euh, carrément pour la regarder. Euh, et le film est très divertissant, euh, plein, de, plein de suspense, euh, à la limite haute, euh, entre la, à la frontière entre le thriller et le film d'horreur. Euh, moi, j'aime pas trop regarder les films d'horreur. Euh, C'est vraiment la limite haute du thriller pour moi, euh, assez horrifique. Mais j'en ai pas fait de cauchemar non plus quand même. Donc voilà, Alien Romulus, un très bon moment, un très bon moment de science-fiction, et euh, du coup qui veut dire que euh, euh, Alien à euh, la peau dure. Remarque, c'est pas une nouveauté, hein, mais euh, c'est encore possible de faire des trucs bien avec cette licence alors que je pensais que c'était vraiment foutu. Quoi. Maintenant, huitième position. Euh, c'est toujours, euh, là les, tous les films dont je vous ai parlé jusqu'à présent, et c'est le cas aussi du huitième, euh, c'est des, des films à qui j'ai donné la note de 7 sur 10 sur IMDb, qui est, euh, j'irai les meilleures mauvaises notes que je donne sur IMDb. Euh, donc, en huitième place, Le Tableau Volé, à qui donc j'ai donné 7, euh, qui est euh, un film de Pascal Bonitzer, un film français, euh, que j'ai regardé euh, aussi un peu par hasard, vous savez, euh, je sais pas, on est jeudi soir, euh, il fait moche, euh, on sait pas trop quoi faire. Euh, tiens, euh, j'ai envie d'une VOD, je me balade pendant trois quarts d'heure dans la liste de tous les films disponibles, rien ne me branche et puis tout d'un coup, ah, euh, une affiche sympa euh, et euh, c'est parti, on passe une bonne soirée. Donc c'est le tableau volé. Euh, André Masson, spécialiste de l'art moderne, reçoit une lettre selon laquelle un tableau de Egon Schiele aurait été découvert à Mulhouse, à Mulhouse. Il constate que l'œuvre a disparu depuis 1939. Cette découverte met sa carrière en péril. Et là, euh, c'est une histoire vraie, hein, c'est une adaptation euh, probablement basée sur un article de presse ou euh, en roman. Euh, enfin, un, un, un livre euh, plutôt. Euh, C'est interprété par une un beau euh, triple, euh, trois, trois personnages, trois acteurs euh, vraiment chouettes. Alex Lutz. Euh, Léa, Léa Drucker et Nora Amzawi, euh, ils sont très bien tous les trois. Euh, Spéciale mention en particulier pour le, le couple euh, Alex Lutz et Léa Drucker, hein, qui sont vraiment très très bien. Euh, bon, lui, euh, lui, euh, je trouve qu'il a vraiment un range euh, énorme. Il est capable de faire. Euh, énormément de choses différentes. Là, il, il incarne un, un personnage qui, au début du film, est vraiment pas très sympa, une espèce de snobinard parisien euh, qui sait tout sur tout, qui a raison sur tout, et qui se comporte comme un connard avec sa collègue euh, junior qui commence à bosser avec lui. C'est vraiment... Euh, 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 un plaisir à regarder, tellement c'est insupportable. Euh, et évidemment, il va évoluer dans l'histoire, sinon il ne se passerait rien, ça ne vaudrait pas le coup de raconter une histoire. Léa Drucker, qui joue euh, une collègue de ce personnage détestable, incarné par Alex Lutz, euh, qui a une une relation extrêmement élaborée, euh, complexe et pas pas typique. Avec ce personnage-là, et en plus, le film parle de peinture, ce qui est évidemment très agréable. Euh, parle de spoliation des biens juifs, euh, qui est un sujet euh, particulièrement d'actualité euh, en ce moment, euh, et aussi de ce que ça veut dire pour des gens qui connaissent pas euh, l'art moderne euh, de découvrir que le tableau qu'ils ont dans leur salon depuis toujours est en fait euh, une, un chef-d'œuvre qui vaut des dizaines de millions d'euros et de le de l'implication de de cet accident de la vie euh, pour les personnes qui vivent la situation donc vraiment un chouette film euh, qui euh, que je vous recommande euh, parfait pour euh, c'est un peu comme une, une sortie au musée euh, mais là, sans avoir besoin de sortir du coup <laughs> un bon plan euh, donc le tableau volé euh, que je vous recommande euh, et euh, du coup on va enchaîner euh, sur le, la septième position, qui est mon dernier film noté 7, après on sera sur des films de 8 et plus sur 10, un film rigolo, un film d'action euh, qui s'appelle The Fall Guy, euh, qui est l'adaptation euh, d'une série que j'adorais moi adolescent, euh, qui s'appelait L'homme qui tombe à pic, euh, avec Cole Seaver, c'est son 4-4 euh, marron qui fait des grands sauts euh, là, au, bout de, au bout de chaque rue. Euh, là, c'est l'adaptation hollywoodienne cinématographique, euh, d'un réalisateur, David Leitch, qui euh, ne laissera pas euh, grand souvenir en tant que réel en tant que tel. C'est vraiment un film de studio. Mais par contre, avec un beau casting, en particulier Ryan Gosling, euh, Ryan Gosling, qui est toujours, moi, que j'aime beaucoup, en, en imbécile rigolo, euh, et Emily Blunt, pour qui euh, j'ai un faible depuis toujours, et qui, elle, est vraiment formidable. Et ces deux ces deux acteurs donnent vie à deux aux deux personnages principaux du film euh, qui tournent autour de euh, une, un mélange dirais, de comédie romantique euh, un style de film moi que j'aime beaucoup euh, en tout cas quand c'est réussi et de film d'action euh, puisque euh, et, et d'enquête en même temps c'est un action, action aventure on com en gros euh, très plaisant, très très fun, euh, avec, euh, j'irai, euh, de l'argent à l'image, quoi, hein, des grosses scènes d'action, euh, des beaux acteurs. Euh des dialogues plutôt rigolos et euh, du coup, je recommande, pareil, parfait pour euh, regarder, je sais pas, un dimanche après-midi alors qu'il fait moche et que on a envie de souffler euh, après une semaine de merde, par exemple. <laughs> du coup, The Fall Guy, euh, qui euh, clairement euh, mérite le déplacement de mon point de vue. Euh, évidemment, c'est peut-être pas le film qui vous fera douter euh, du sens, euh, ou fera avancer sur le questionnement sur le sens de la vie, par contre. Mais euh, parfois, on n'a pas envie de se questionner sur le sens de la vie. Un film euh, noté sur euh, 8 sur 10 euh, qui est en sixième position, c'est un film français, c'est un film euh, à la fois, euh, j'irais, comédico-tragique, ou euh, comment on appelle ça, euh, euh, dra un drame euh, tragique-comique, euh, une année difficile, euh, un film de Olivier Nakache et Eric Toledo, euh, qui... Euh, je trouve, euh, parle parfaitement de nous, euh, nous les Français, euh, nous la France, maintenant, dans le monde euh, actuel, euh, euh, par le biais d'une comédie légère, euh, c'est-à-dire euh, typiquement le genre de film grand public que j'aime beaucoup, euh, c'est-à-dire qu'on va, euh, va adresser euh, des problématiques euh, profondes est complexe, mais de façon très légère et très ludique, sans, se, sans donner l'impression de se prendre la tête. Euh, et c'est un film vraiment que j'ai beaucoup aimé. Alors, je vous lis le prémisse. Euh, Albert et Bruno, consommateurs surendettés, intègrent une association écologiste, mais pas pour changer la vie, juste pour changer leur vie, en profitant de chaque action et chaque rébellion pour magouiller et en tirer profit. Euh, évidemment, vous vous en doutez. Il y a une jolie fille dans dans cet assaut euh, et ces gars euh, sont bah, des pauvres des pauvres types hein, d'une certaine façon ou peut-être même juste des types euh, qui euh, essayent de faire leur petite cuisine au quotidien euh, euh, donc je vous ai parlé des acteurs non je vous ai pas parlé des acteurs du coup. Il euh, y a Pio euh, Marmaille, euh, qu'on ne présente plus, hein, qui est vraiment un shot acteur, euh, avec un super prénom en plus, euh, Jonathan Cohen, qui lui est extrêmement rigolo, euh, est tellement capable de se créer des personnages euh, totalement polymorphes, euh, vraiment un moteur, euh, un moteur comique très fort et une Noémie Merland que moi, je ne connaissais pas, mais qui est très crédible en rôle féminin principal et intérêt romantique, on va dire, du, du film. Euh, bon, qui, elle, par contre, est beaucoup moins ridicule qu'eux, euh, qui est clairement une belle personne, plutôt exemplaire, on va dire. Euh, et évidemment, elle attire, la, elle brille et elle attire, elle attire les, les insectes autour. Hein donc un très chouette film qui euh, n'est pas très bien noté, euh, qui je crois n'a pas très bien marché peut-être parce que un peu trop proche du réel et que Peut-être que les gens n'ont pas envie de trop se confronter à la thématique de, du film, mais en tout cas, j'ai passé un excellent moment. J'ai eu l'impression qu'on me prenait pas pour un imbécile, j'ai eu l'impression qu'on me, qu me prenait pour quelqu'un d'un peu intelligent qui était capable de s'amuser en réfléchissant à des choses un peu sérieuses. Euh, un excellent film, euh, une année difficile. Euh, je vous le recommande. Là, clairement, on commence à rentrer dans les films très bons de 2014. Euh, C'était la sixième, la sixième entrée de la liste. Et on rentre dans la cinquième. Cinquième entrée, elle aussi notée 8 sur 10, euh, avec un très bon métascore aussi. Ça veut dire que je suis pas le seul à penser que c'est un très bon film. Ce qui peut m'arriver parfois, j'assume. Euh, mais donc, euh, un, un film qui s'appelle euh, American Fiction, ou Fiction à l'américaine. Euh, un film... Euh, complexe, je dirais. Euh, déjà, à expliquer, euh, euh, il est particulier. Du coup, je vais m'appuyer sur la, la présentation euh, faite par le producteur euh, sur euh, IMDb. Un romancier qui en a assez que l'establishment profite des divertissements noirs euh, utilise un nom de plume pour écrire un livre qui le propulse au cœur de l'hypocrisie et de la folie qu'il prétend mépriser. En gros, euh, euh, l'acteur principal, qui est, euh, qui est Jeffrey Wright, euh, joue un, un romancier euh, afro-américain, ou d'ascendance afro-américaine, euh, qui, en gros, n'est pas assez noir pour ses éditeurs. Euh, euh, ce qu'il écrit n'est pas assez caricatural, assez caractéristique de ce à quoi on s'attend euh, d'être écrit par un un afro-américain, en particulier, on s'attend à ce qu'il parle ghetto, on s'attend à ce que ça ressemble plus à du rap que à de la littérature. Et euh, du coup, euh, par désarroi, euh, il décide de démontrer la stupidité de l'exercice en écrivant un roman caricatural qui a beaucoup de succès. Euh, le, le réalisateur Cord euh, Jefferson, que je ne connaissais pas, est lui aussi euh, d'ascendance afro-américaine. Euh, C'est un casting d'ailleurs quasi intégralement afro-américain. Euh, bon ben, ben ça fait cogiter aux états unis ça fait cogiter à l'autre monde et moi euh, qui raconte des histoires qui écrit qui essaye d'être un peu honnête avec moi même euh, ça fait aussi beaucoup réfléchir à euh, ok euh, on écrit pour soi on écrit pour les autres euh, et du coup écrire pour soi est ce que ça veut dire potentiellement que ça n'intéressera personne euh, mais euh, voilà c'est dirais une vraie cogitation sur ce que le fait d'être auteur euh, et euh, c'est un film qui sort vraiment du lot, je trouve, que je vous recommande, qui est facile à voir en plus, il me semble qu'il est sur Prime, euh, du coup disponible assez facilement. Euh, American Fiction, excellent film. Excellent film euh, euh, que je vous recommande chaudement. Là, on est vraiment dans les très bons films de, de cette année. Alors, quatrième entrée. Probablement, beaucoup de gens seront pas d'accord avec moi. Euh, je je, je m'en excuse, <laughs> j'assume. Euh, je comprends que vous soyez pas d'accord avec moi, mais euh, je, je, moi, j'ai trouvé que le film était excellent. Euh, Civil War, Civil War de Alex Garland, euh, Civil War qui nous raconte une guerre américaine. Aux États-Unis, maintenant euh, mise, en, mise en image comme un film de guerre euh, euh, très bien réalisé, très bien tourné. Il y a une, euh, vraiment une cinématographie magnifique euh, euh, dans Civil War, euh, un très beau casting aussi et euh, une excellente histoire aussi, de mon point de vue. Alors, ce qui me fait diverger un petit peu de la façon dont ça a été présenté. Ça a été présenté vraiment comme une sorte de prophétie sur une guerre civile entre Trump, euh, enfin entre républicains et démocrates, euh, c'est plus subtil que ça. Et de mon point de vue, euh, on, était, on était deux quand on est allé voir le film, on a discuté longuement après. Je trouve que c'est plus un film sur la guerre qu'un film sur la guerre civile américaine. Euh, et du coup, euh, qui dit clairement que la guerre, euh, c'est le stade ultime de l'horreur euh, et, et qui le démontre. Clairement, il y a des scènes atroces euh, dans, dans le film. Euh, je trouve que ça fait sens de voir le film, euh, surtout là, euh, 15 jours après que l'autre Trump ait été élu. Euh, ça fait réfléchir quand même. Et euh, le cinéma de guerre est quand même une part importante du cinéma américain, une part importante du cinéma tout court. Donc, je recommande beaucoup Civil War. Euh, là, par contre, c'est peut-être pas pour tout le monde. Euh, clairement, là aussi, on se situe un peu à la frontière euh, haute entre le thriller et l'horreur. Il euh, y a clairement des, des séquences euh, difficiles à regarder. Donc, euh, pas forcément pour euh, tout... tout. Si vous, si vous êtes un petit peu sensible aux images, aux images dures, pas forcément pour vous. Mais euh, je pense que ça vaut le coup de se confronter à ce genre de choses aussi de temps en temps. En troisième place, un film totalement différent euh, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, le, le top 3 de ce classement, c'est euh, vraiment le, le, le haut du panier. Euh, le titre en français est en anglais, évidemment, comme <laughs> tous les producteurs français, tous les distributeurs français, de, transforment les titres euh, originaux en titres en anglais. Donc en français, ça s'appelle Winter Break, et en américain, puisque c'est un film américain, ça s'appelle The Old et, euh, c'est un film magnifique. Alors là, clairement magnifique. Avec un de mes acteurs fétiches, qui s'appelle Paul Giamatti, que vous connaissez, c'est sûr. Paul Giamatti, qui est vraiment un acteur formidable. Pareil, lui aussi, avec un range énorme, une capacité à, à incarner le drame. Et là, je trouve une physicalité formidable. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui joue Paul Giamatti dans Viol dovers Un professeur grincheux qui est contraint de rester sur le campus pour s'occuper d'un groupe d'étudiants qui n'ont nulle part où aller pendant les vacances de Noël. Il finit par nouer un lien improbable avec l'un d'entre eux. Euh, c'est le même territoire imaginaire, je dirais, que, euh, le, les poètes, euh, le club des poètes disparus. C'est pas le même film du tout, euh, du tout, euh, mais c'est cet imaginaire du pensionnat anglo-saxon, des fils de riches, euh, qui euh, sont pas si heureux que ça malgré le fait qu'ils sont riches. Euh, typiquement là, c'est des gamins euh, qu'on vient pas chercher à Noël parce qu'on a mieux à faire. Hein. Euh, du coup, ils sont certes très confortables mais euh, pas très aimés. Euh, et euh, le personnage de Paul Giametti, là, ce professeur là, euh, c'est pas un chic type. Il est pas sympa. Euh, c'est un mec frustré qui est passé à côté de sa life depuis belle lurette euh, mais justement, euh, il n'est jamais trop tard et euh, il y a une belle rencontre, une belle rencontre d'amitié. Hein. Euh, C'est un très beau film. C'est un film d'hiver aussi. Moi, j'aime bien les films où il fait froid, où on est content d'être au chaud. Euh, donc voilà, *Violets de euh, Vraiment, dans les meilleurs films de cette année 2024. Et euh, maintenant, avant dernière entrée dans ce dans ce classement des meilleurs films de 2024, un film assez improbable. Euh, dont les critiques euh, ne sont pas du tout d'accord avec l'avis que j'ai sur le film. Euh, le film s'appelle She Came To Me. Euh, C'est un film de la réalisatrice Rebecca Miller, un, un film euh, américain, euh, que moi j'ai vraiment adoré. Euh, et qui. Euh, je suis peut-être le seul, mais je m'en fous. Il euh, y a un casting de dingo déjà, euh, She Came To Me. C'est euh, l'acteur masculin principal, c'est Peter euh, Dinklage euh, que que, que j'adore au cinéma euh, en particulier, même si je l'ai beaucoup aimé euh, dans euh, dans la série euh, Le Trône de Fer. Anna Tawé, euh, que j'adore depuis toujours, en particulier depuis euh, Rachel Getting Married, euh, qui est un film sublime que j'adore avec elle, et la formidable Marisa Tomei. Qui est euh, elle Il suffit qu'elle soit à l'image, je suis content. Quoi. Et du coup, euh, Peter Dinklage euh, est un compositeur souffrant du syndrome de la page blanche qui redécouvre sa passion après une aventure d'un soir. Euh, Peter Dinklage, euh, il a tendance à picoler dur. Ça se passe à New York. Déjà, euh, ça c'est un plus pour moi, évidemment. J'adore les films qui se passent à New York. J'adore cette ville. Euh, il s'ennuie dans la vie. Euh, il est marié à Anatawe, euh, qui incarne un personnage pas rigolo du tout, euh, qui est beaucoup dans le contrôle et dans l'ordre et dans l'organisation et tout ça. et Lui, c'est pas ce qu'il, c'est plus ce qu'il aime, en tout cas à ce moment-là de l'histoire. Et alors qu'il est fin bourré, euh, perdu au fin fond de Red Hook euh, dans un, un rad, euh, il a une liaison avec Marisa Tomé on souhaiterait tous tomber sur marise Atomé dans un radeau, de red fond de Redouk. Maryse Tomé, elle est capitaine d'un remorqueur, donc dans le port de, de New York, et c'est une aventurière, on va dire. Et euh, ça veut pas dire, euh, ne croyez pas que vous avez, vous connaissez l'histoire jusqu'à la fin. Euh, c'est, on va dire, le, le début de l'histoire. Euh, il va se passer plein de choses. C'est, euh, moi, j'ai beaucoup pleuré, beaucoup ri. Et mon grand critère, euh, un film auquel je mets la, net, la note de 9, puisque c'est le cas pour ce film, euh, c'est fi mon critère qualitatif pour le cinéma et pour les séries aussi, d'ailleurs pour la littérature aussi, c'est l'intensité émotionnelle que j'ai vécue en voyant le film. Euh, du coup, She Came To Me euh, m'a touché euh, intimement, plusieurs fois de, et de plusieurs façons différentes, ce que j'aime particulièrement dans un bon film c'est exactement le genre de choses que j'aime et je vous recommande donc chaudement ce film de Rebecca Miller euh, qui est lui aussi un film de, de plateforme si mes souvenirs sont ce qui est plutôt euh, bon signe pour les plateformes puisque euh, ça veut dire qu'il il, il, peut-être qu'il commence à comprendre comment faire des films après avoir gâché des milliards et des milliards à faire des merdes euh, donc She Came To Me est euh, donc le deuxième meilleur film de 2024 pour moi et maintenant, mais ça sera pas une surprise pour vous, euh, ceux qui me connaissent euh, le savent déjà, quel est mon film préféré de 2024. Euh, si ce n'était pas le cas d'ailleurs, euh, j'aurais des problèmes. <laughs> mon film préféré de 2024 est Dune, deuxième partie. Euh, voilà, c'est un film formidable, je lui ai mis 9 sur 10 aussi. Euh, Dune qui a une place énorme dans mon imaginaire, j'ai lu Dune... Euh, le cycle de dune au moins une dizaine de fois, peut-être même plus que ça. Euh, j'ai passé euh, à mon adolescence, quand j'ai découvert les romans, euh, un an ou deux non-stop à ne lire que ça. Euh, j'ai essayé de créer le, le jeu de rôle quand j'étais gamin. Euh, j'ai joué au, à tous les jeux ou à beaucoup de jeux de, depuis. Euh, voilà, c'est euh, mon univers de science-fiction préféré. Et euh, Villeneuve, Villeneuve, Denis Villeneuve a réussi euh, un tour de force de mon point de vue, euh, qui est euh, ce que David Lynch n'avait pas réussi à faire, par exemple, de, de, de réussir à, à porter à l'image l'énorme complexité euh, de, de, ce, de, de ces livres de SF euh, extrêmement complexes, qui se passaient beaucoup dans la tête des personnages en particulier, ce qui n'est pas du tout favorable pour le cinéma. Euh, et euh, en plus, euh, il n'en fait pas une adaptation servile, euh, il y ajoute sa compréhension de l'œuvre originale, euh, euh, parce que, euh, en tout cas, euh, Denis Villeneuve, il a, je crois, exactement mon âge, lui, en tout cas, il est des années 70, lui aussi, quand on a lu d'une, euh, et qu'on avait 14-15 ans... Euh, on pensait que Paul Atreides était un héros formidable et que c'était un good guy et qu'on voulait tous être Paul Atreides. On n'avait pas compris euh, ce qu'il essayé de faire euh, euh, Frank, euh, Frank Herbert. Franck Herbert, il essayait euh, de tirer la sonnette d'alarme, de prévenir tout le monde qu'il fallait se méfier des leaders charismatiques. Moi, je n'avais pas du tout compris cette dimension politique à l'époque où j'ai lu Dune pour la première fois. Et ce n'est qu'en continuant mes lectures autour de Dune... Les interviews de Frank Herbert, les études sur les sur les films, sur les livres et tout ça, que je n'ai compris vraiment ce qu'il avait voulu euh, euh, faire initialement euh, de son œuvre. Et euh, ce que je trouve formidable dans la version de Villeneuve, c'est que Villeneuve est plus euh, frontal, euh, moins sibyllin euh, que Frank Herbert dans les bouquins. Et du coup, je, je pense que euh, les, les gens qui ont été attentifs en voyant les deux films euh, vont comprendre euh, intimement que Paul Atreides n'est pas, euh, pas le sauveur de l'humanité, loin s'en faut. Euh, et ça euh, ça a du sens en 2024 quand Trump vient d'être élu aux États-Unis, euh, qui est la quintessence du leader charismatique euh, euh, Mussolinien on va dire, euh, et euh, que euh, du coup euh, dans la même année est sorti sortie War euh, qui est aussi dans mon dans mon, dans mon top 11, voilà euh, ces films ils participent à l'année euh, et à la décennie dans laquelle on est euh, et euh, c'est à la fois le hasard de la production mais pas que le hasard de la production euh, ça fait beaucoup sens de mon point de vue et du coup ça conclut euh, ce premier épisode des images qui bougent euh, je vous ai donné ce que j'ai appelé sur IMDb puisque évidemment tout ça c'est c'est des listes qui sont sur IMDb just the best of 2024 so far euh, juste le meilleur de 2024 jusqu'à maintenant. Certains me diront, mais Sébastien, euh, on est le 18 novembre, du coup l'année n'est pas terminée, euh, potentiellement il va y avoir d'autres films, et oui, il y en a déjà un euh, qu'il faut que je voie et qui euh, sera peut-être au top, euh, mais qui sera du coup dans la liste de l'année prochaine, c'est The Substance. que tout le monde euh, m'incite à regarder et que je vais voir bientôt, euh, mais donc qui ne sera pas dans le classement de 2024, mais potentiellement dans le classement de 2025. Bon, euh, voilà, euh, voilà le, la fin du premier épisode euh, de ce nouveau podcast, le, Des Images qui Bougent. Euh, vous voyez, là, je suis en train de bosser sur le montage, sur le mixage. Euh, J'en profite pour euh, en appeler à votre soutien, à votre aide. Évidemment, euh, si vous voulez euh, concrètement m'aider et aider, euh, aider Glitch Publishing pour ce, cette nouvelle aventure avec ce nouveau podcast, le plus simple, c'est que vous lui donniez une bonne note sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez ou que vous likez sur YouTube. Euh, commentez, par exemple, dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord. Proposez votre liste. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est une discussion qu'on commence. Évidemment, ce que je viens de vous présenter, c'est mon point de vue, mais euh, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez et même que vous proposiez euh, vos listes alternatives, évidemment. Euh, donc, je vous donne rendez-vous euh, très bientôt pour d'autres épisodes la suite de cette aventure-là cinématographique elle sera dans l'exploration de ma prochaine liste qui est mon top 33 des meilleurs films de sensation de toute l'histoire du cinéma donc euh, je vous donne rendez-vous à très bientôt, allez salut, ciao